Hi, this is Tanya from MontrealMom.com. I am here today with Nathan, who is here at the Danone Nations Cup in Paris. And he's playing for Team Canada, and we're going to do our interview in French. So Nathan, où est-ce que tu demeures? À quelle ville? Moi, je demeure à Longueuil. Tu demeures à Longueuil. Et comment que ça sent d'être ici à Paris pour la coupe finale de Danone Nations Cup? C'est un grand changement. Oui. De la banlieue où je suis. Puis je pense que c'est très bien organisé ici. Puis que c'est il y a beaucoup de sécurité et tout. Les terrains sont beaux et tout. Donc c'est très bon. Et est-ce que tu as réussi à rencontrer beaucoup d'autres joueurs d'autres pays? En fait, dans l'hôtel où nous sommes, tous les joueurs et toutes les équipes sont dans le même hôtel. Alors quand on mange, on rencontre des joueurs, on fait des chansons avec eux pour l'équipe et tout. On serre les mains et tout. Donc il y a beaucoup de joueurs en Maroc. Et comment que tu sens quand tu rencontres ces gens-là? C'est sûr que tout le monde est excité de se rencontrer, de faire des musiques ensemble et tout. Alors c'est sûr que c'est très, très amusant. Super. Maintenant, je vais vous demander une question. J'ai compris que toi, tu jouais avec une équipe qui n'a pas gagné. C'était l'équipe d'Ontario qui a gagné. Mais toi, tu étais sélectionné pour venir. Pourquoi que tu as été sélectionné? Le coach qui a appelé à la maison pour dire que j'allais venir avec eux a dit que j'avais été sélectionné pour mon bon esprit sportif et ma qualité de jeu. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Et comment que tu as senti quand tu l'as su? J'étais très excitée, c'est sûr. Je courais partout dans la maison, je sautais et tout, mais c'est sûr que j'étais très contente. Je peux imaginer. J'ai une question pour toi. Parce que moi je suis maman. Okay. Et je dis toujours à mes enfants que c'est important d'avoir, de s'amuser quand on joue. À n'importe quoi, c'est le sport, un jeu, n'importe quoi. Et c'est le fun de gagner, mais c'est très important d'avoir un bon esprit d'équipe, une bonne attitude. Maintenant, toi, tu as été sélectionné spécifiquement pour ça. Qu'est-ce que tu dirais aux autres enfants qui sont comme très fixés de gagner? On veut gagner, c'est sûr et certain, mais qu'est-ce que tu dirais à ces enfants? Faites du monde, parce que vous avez encore beaucoup de temps devant vous pour vous reprendre. Alors, gardez espoir. Merci beaucoup Nathan, félicitations et bonne chance en tout. Bonne chance. Merci, bye.